Dieu fasse que ceux qui sont malades guérissent, que ceux qui sont morts, que Dieu ne leur pardonne. Surtout, que les Guinéens se mordent la main pour que notre pays avance. Notre pays ne peut avancer que si nous sommes unis. Nous avons vécu une épreuve très dure qui était le Ebola. Grâce à Dieu, cette maladie a disparu. Mais elle a laissé beaucoup de dégâts, des morts, des veuves, des orphelins, sans compter les conséquences sur notre économie. Mais la Guinée a un bel avenir. Je veux seulement que les Guinéens seront la main. Car comme je dis toujours, Dieu est la Guinée. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, tous les Guinéens sont convaincus que s'ils sont unis, la Guinée peut aller vers l'avant. Nous souhaitons donc que notre unité soit renforcée, que nous discutions de nos problèmes de façon comme si nous sommes des frères, nous sommes des frères, nous savons, nous vivons dans la même maison. Si cette case brûle, c'est nous tous hyper longs. Voilà ce que je viens de dire. Comme l'a déjà dit, on ne fait pas de l'homme de mort aujourd'hui parce qu'il faut laisser les gens aller marquer pour tuer les moutons afin que les femmes puissent faire la cuisine. Merci.